Faut-il être intelligent pour réussir dans le business? C'est une grande question qu'on peut se poser. Parmi les différentes formes d'intelligence, une des intelligences les plus importantes qui vous servira, c'est de développer votre intelligence émotionnelle. Quels sont les avantages de développer votre intelligence émotionnelle pour développer votre business ou réussir lorsque vous êtes un passionné de liberté? C'est une grande question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Zico Kiax, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler 11 avantages que vous pouvez ici suivre, utiliser, appliquer, profiter, bénéficier pour pouvoir ici développer votre intelligence émotionnelle et réussir dans le business. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous dis tout d'abord merci, bienvenue à vous. Je vous invite, pour ne manquer aucun de mes prochains partages, de cliquer sur le bouton rouge qui est juste là et ensuite de cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Le premier avantage, c'est de savoir qui vous êtes vraiment et de savoir comment vous fonctionnez de l'intérieur. On va faire différents parallèles avec le monde du business et le monde de la croissance plus personnelle. Bien évidemment, lorsqu'on parle d'intelligence émotionnelle, on pourrait penser que c'est un sujet qui est plutôt de l'ordre du personnel. Et sachez qu'il n'y a rien de personnel si vous êtes dans le business, tout est lié au business. C'est-à-dire que le business est lié au personnel, le personnel est lié au business. Il y a un lien étroit. Voici un lien qu'on peut faire avec ce premier point, savoir mieux se connaître et savoir qui on est de l'intérieur, avec le business. Lorsqu'on connaît ses forces, ses points améliorés, ses limites, ses préférences, on peut aussi mieux choisir son modèle de business. Vous pouvez choisir votre modèle d'affaires avec beaucoup plus de pertinence. Parce que si maintenant vous êtes sur le point de vous lancer, que vous dites « je veux me lancer dans tel type de modèle de business ou dans tel autre », ou alors si vous êtes déjà dans un business et que vous êtes dans le business qui ne vous correspond pas vraiment, vous serez de toute façon limité parce qu'il y aura des moments où vous allez pouvoir, ici vous voudrez avancer et vous sentirez comme ça un frein parce que vous n'êtes pas dans le modèle qui est aligné à qui vous êtes vraiment. Je vous donne un exemple, si par exemple votre profil a plutôt envie de vous retrouver face à tout le monde, partager votre expérience par exemple. Vous pourriez être dans la formation, dans la conférence, vous mettre en avant. Ou alors si dans votre profil de personnalité, vous n'aimez pas vous mettre en avant et vous préférez vous mettre plutôt derrière, dans l'ombre. Vous pourriez très bien travailler par exemple dans l'écriture. Si vous voulez par exemple faire des présentations, le copywriting, la rédaction. Bref, différentes facettes de vous que vous connaissez et grâce à cette intelligence émotionnelle que vous développez, votre capacité à mieux connaître, de savoir comment vous êtes et qui vous êtes de l'intérieur, ça vous permet de faire des choix beaucoup plus stratégiques pour choisir le modèle de business qui vous correspond. Deuxième avantage, c'est de savoir, de connaître vos émotions, d'être capable de les reconnaître et de les gérer, de les maîtriser. C'est important de savoir si on fait le lien avec le business cette fois-ci, lorsque vous décidez de créer un message de vente, un message de communication, quand vous choisissez votre marché, que vous voulez vous adresser à vos meilleurs clients, il est essentiel pour vous de savoir comment ils fonctionnent. Et surtout, un des points les plus importants, ce sont les émotions qu'ils ressentent. Une chose importante à savoir, c'est que vos clients achètent toujours pour des raisons émotionnelles et non pas pour des raisons intellectuelles, réfléchies, parce que la raison vient toujours après pour justifier évidemment un choix émotionnel. C'est donc cet aspect émotionnel, lorsque vous la connaissez pour vous, vous pouvez comme ça prendre le temps de l'apprendre pour les autres. Ça vous permet de façon plus simple et stratégique de choisir les bons messages qui touchent les émotions et qui aident votre meilleur client à faire une action qui l'emmène dans la direction qu'il souhaite avec un rapport à équilibre gagnant, gagnant, gagnant. Troisième avantage, c'est d'être capable de gérer les situations dites difficiles. Lorsque vous êtes entrepreneur, vous serez toujours dans des moments où vous êtes sous pression et il faut pouvoir gérer. Par exemple, si vous êtes en plein lancement d'une campagne, une nouvelle campagne, un nouveau produit, ou alors peut-être avec des partenaires en train de faire des opérations, il y a des moments comme ça qui peuvent être un peu plus stressants où la pression vient et vous devez comme ça garder le cap, tenir le guidon et de continuer. Imaginez si vous êtes en train de lancer des campagnes publicitaires, vous investissez au début la première barre des 100 euros par jour et ensuite la barre des 1000 euros par jour. Vous êtes dans un ascenseur émotionnel en permanence. Et là, être capable de gérer votre intelligence émotionnelle vous permet de rester serein, de garder et de faire prendre du recul sur la peur de perdre, cette peur qui viendra vous paralyser, cette peur ou cet inconnu affreux entre la réalité, ce qui se passe vraiment de façon plus rationnelle et plus stratégique. Quatrième avantage, c'est d'être capable de prendre de grandes décisions et de bonnes décisions de façon beaucoup plus sereine, de façon beaucoup plus consciente, de façon plus stratégique parce que vous avez développé cette intelligence émotionnelle qui vous permet en toute situation d'avoir ici du recul, de voir les choses avec beaucoup de relief et de prendre de véritables décisions. Garder votre sang-froid en tout temps, dans toutes circonstances, vous permet donc ici, grâce à cet avantage ici, d'avoir une intelligence émotionnelle qui est récompensée et qui récompense votre travail dans le business.
Le cinquième avantage, c'est lorsque vous assemblez tout ceci, d'être capable de communiquer à votre audience des messages clairs qui touchent le cœur de vos meilleurs clients. C'est ici un assemblage des différentes choses que vous avez fait avant parce que vous avez appris à écouter leurs émotions, vous avez appris à choisir votre modèle de business et ensuite vous avez créé un message qui résonne, votre marketing. Là, votre marketing sera vraiment taillé sur mesure pour vos meilleurs clients. Lorsque vous communiquerez vos messages par email, sur votre site internet, dans vos communications en vidéo, ils se sentiront concernés parce que vous savez, grâce à cette intelligence émotionnelle, sentir, ressentir, comprendre et ensuite exprimer les choses qui se font comprendre et entendre et surtout qui touchent le cœur de vos clients. Sixième avantage, c'est développer votre empathie et votre empathie pour pouvoir comprendre les personnes qui sont autour de vous. On peut parler des clients, on peut parler des collaborateurs, on peut parler des partenaires, on peut parler même des membres de votre famille ou les personnes qui sont là pour avancer avec vous. Vous développez cette empathie, cette intelligence sociale grâce à cette intelligence émotionnelle bien évidemment et ça vous permet comme ça d'être entouré d'alliés. Et le leader sait s'entourer d'alliés, sait récompenser les autres avec beaucoup d'impact et c'est un véritable avantage pour vous de développer votre intelligence émotionnelle avec cet avantage pour votre business. Le septième avantage, cette fois-ci, c'est d'être capable d'influencer, ne veut pas dire manipuler. Lorsqu'on manipule et l'influence, il y a une différence, c'est votre intention. Et lorsque votre intention est bonne, vous pouvez influencer les autres pour pouvoir leur apporter de la valeur ajoutée et créer une vraie différence avec un rapport équilibre gagnant-gagnant. Vous pouvez influencer, par exemple, si vous êtes parent, vos enfants, vous pouvez influencer votre partenaire de vie, vous pouvez influencer vos clients, vous pouvez influencer vos amis, vous pouvez influencer vos collaborateurs, vos clients, avec toujours de bonnes intentions. Parce que si vous êtes le leader et que vous avez une vision importante, important d'être capable d'influencer les autres pour les attirer et mobiliser pour aller dans cette même bonne direction. Et développer votre intelligence émotionnelle vous permet d'augmenter votre force d'influence et de pouvoir avancer sereinement pour développer votre activité et développer votre vie de façon plus générale. Huitième avantage, c'est d'inspirer le respect cette fois-ci. C'est développer cette forme de leadership, ce respect, cette admiration que les autres ont de vous parce que justement, ils savent que lorsqu'ils sont à votre contact, il y a une résonance qui se crée. Vous êtes capable de les écouter, vous êtes capable de les comprendre, vous êtes capable de ressentir et de leur apporter quelque chose, de faire en sorte en réalité qu'à chaque fois qu'ils sont à votre contact, ils vivent une belle expérience, ils se sentent bien. Les gens oublient souvent ce que vous dites, mais ils se rappelleront de ce qu'ils ont ressenti à votre contact. Et le fait ici d'être capable d'inspirer les autres le respect vous permet de pouvoir communiquer avec beaucoup de sérénité, d'avoir de l'engagement autour de vous, de créer une aura autour de votre entreprise, de vos activités et de pouvoir avancer grâce à votre habilité à développer cette intelligence émotionnelle. Le neuvième avantage, c'est cette fois-ci d'être capable de négocier. Lorsque vous êtes intelligent émotionnellement, vous pouvez négocier plus sereinement. Parce que la négociation, c'est de comprendre ce que l'autre veut, quels sont ses outils, ses atouts, ses arguments et qu'est-ce que vous voulez et trouver finalement un compromis, aller dans une direction puissante qui permet d'avoir un bon équilibre. Si jamais vous n'êtes pas intelligent émotionnellement, lorsque vous négocierez, ce sera gagnant-perdant et votre objectif sera toujours de tirer la couverture à vous. Si vous êtes intelligent émotionnellement, vous pouvez réussir cette même négociation en mettant un équilibre parfait, en rendant les deux parties heureux et cette intelligence émotionnelle sera à votre service. Lorsque vous la mettez à votre service, vous pouvez augmenter comme ça les profits de votre business et en même temps de créer de l'impact et de la valeur pour les autres. Dixième avantage, c'est d'être capable de distinguer les besoins des désirs. Sachez une chose, pour développer un business, vous devez comprendre ce dont les gens ont besoin et ce qu'ils veulent. Les gens n'achètent pas en réalité ce dont ils ont besoin. Ils achètent ce qu'ils désirent parce qu'on est guidé par les désirs. Et si vous vous arrêtez uniquement à leur offrir, quand ils achètent, vous leur montrez ce qu'ils désirent et vous leur offrez ce qu'ils désirent, vous n'allez pas jusqu'au bout du bout, ils seront déçus. Si par contre vous découvrez ce qu'ils désirent et quand ils sont attirés par ce qu'ils désirent, ensuite vous leur apportez ce dont ils ont besoin, vous serez suivi dans la durée et vous ferez la différence, vous marquerez l'histoire de votre client, dans votre entreprise, sur votre marché. Donc votre intelligence émotionnelle vous permet de distinguer les besoins des désirs, pouvoir ensuite construire quelque chose qui crée vraiment un véritable impact et de ne pas rester en surface, d'offrir simplement les désirs, les objets brillants, mais aller bien plus en profondeur pour aider vos meilleurs clients. Et puis enfin, le 11e point, c'est de développer cette curiosité constructive. Lorsqu'on est entrepreneur, on a besoin d'être curieux. Curieux, pas une curiosité stupide, éphémère, qui n'a aucun sens ou qui n'apporte pas de valeur ajoutée ou qui est juste une curiosité distrayante qui satisfait uniquement, qui produit de la dopamine, cette envie d'être distrait et de s'éloigner de son focus. Non, je parle d'une curiosité constructive. Celle qui vous permet d'apprendre de nouvelles choses, de découvrir de nouvelles percées, une idée,
un élément qu'il vous manquait pour pouvoir ensuite compléter cette route dans laquelle vous êtes déjà. Parce qu'un vrai entrepreneur est déjà concentré, il a déjà une direction, il sait clairement où il va. Et tout ce qu'il voit dans la curiosité lui sert en fait à ajouter des éléments dans le chemin qu'il a déjà construit. Il ne se laisse pas distraire car cette curiosité, s'il n'a pas de chemin bien établi, l'emmènera dans toutes les directions. Il a déjà un chemin, il a déjà une vision, il a déjà un objectif et cette curiosité constructive lui permet d'aller regarder ce qu'il faut. Et l'intelligence émotionnelle vous permettra, lorsque vous êtes dans cette curiosité, de retenir les éléments essentiels à pouvoir absorber, à pouvoir retirer pour pouvoir les compléter sur votre route, la trajectoire dans laquelle vous êtes véritablement inscrit. Nous avons vu ensemble dans cette vidéo les 11 points stratégiques, 11 avantages à pouvoir développer une intelligence émotionnelle pour vous servir de votre business. Et j'ai un douzième avantage que je vais vous partager dans un instant comme bonus. Mais juste avant de partager, je voudrais vous dire que si vous êtes dans le business ou vous souhaitez vous lancer ou si vous voulez savoir comment développer cette intelligence émotionnelle de façon plus puissante, influencer sera un atout majeur pour vous dans votre business, dans votre vie, pour avancer. Et pour pouvoir découvrir ma méthodologie de l'influence, je vous invite à télécharger le guide de l'influence stratégique et également découvrir ma méthode de la persuasion. Vous pouvez découvrir sur le i comme info si vous êtes sur mobile ou le lien est quelque part en description. Cliquez dessus, vous pouvez simplement échanger votre email et dire à quelle adresse email je peux vous l'envoyer et vous le recevrez dans les moins de 5 minutes qui suivent. Voilà mes passionnés de liberté. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi avec un grand pouce comme ça vers le haut. Ça prend 2 secondes et ça permet à YouTube de pouvoir partager cette vidéo à d'autres personnes, de pouvoir faire découvrir ces partages à d'autres personnes. Vous pouvez également vous abonner avec le bouton rouge qui est juste là si vous n'êtes pas encore abonné pour recevoir les prochains partages. Pensez à activer la cloche qui apparaîtra. Et puis dites-moi ici au bas de cette vidéo quels sont les avantages pour vous de développer votre intelligence émotionnelle, en quoi ça peut vous être utile pour développer votre activité et votre vie de tous les jours. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à échanger avec vous. Donc je vous envoie toute mon amitié, mes passionnés de liberté. Pensez à partager cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans un autre partage. C'était Zico Kiax. À très bientôt. Merci.